It has been many years, but this city will never be safe. Not whilst he is still out there. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo de présentation du nouveau DLC sur Total War Warhammer 2, The Warden and the Pawn, donc le gardien et la panse pour les francophones, pour ceux qui n'aiment pas l'anglais, qui va opposer le seigneur de Tor Ivresse, Eltarion le Sinistre, que nous allons voir en vidéo. Where is he? It has been many years, but this city will never be safe. Not whilst he... Et là, hop, dedans on voit l'autre protagoniste, il s'agit de Groom Lapin, donc un chef peau verte qui va mener la tribu des haches brisées. Et ça, à mon avis, ces deux-là, ça va être un affrontement assez épique entre eux, hein. Ça va piquer. He's still out there. Alors, on se fait un petit arrêt sur image, donc on voit une sorte de chariot tiré par... C'est pas des gobelins, ça. Vu la tête, je pense que ce sont les chariots à pompe Snotling. Donc les Snotling, ce sont comment dire, je sais pas s'ils font partie de la famille des gobelins, mais ce sont des minus, on va dire, encore plus petits qu'un gobelin. C'est assez coriace en nombre, donc je pense qu'à mon avis, ils doivent manier ces pompes, ils doivent avoir un système de traction, de courroie, et j'en passe, pour manier ces chars. Je pense qu'il y a différents types de chars, de ce que j'avais cru comprendre. On verra. Show them who he is. We'll show them all. Hop, alors là, on a une bonne nouvelle. Pour les hauts elfes, il semblerait que les chars à lion blanc soient enfin disponibles. Je pense que les chars à lion blanc vont être disponibles en chars de cavalerie, grosso modo, et les lions blancs peut-être séparés en unité unique, un petit peu comme des meutes de loup funeste, par exemple, avec les contes vampires, ce genre de choses. Le char à trois loups. Et là, c'est... Alors, lui, je pense que c'est le second de Groom Lapin. Il s'appelle Niblé ou Nibé. C'est le second, je crois, qu'il avait survécu dans le lore. En fait, Groom Lapin s'est assis sur lui. Il aurait survécu et c'est devenu le second. Voilà. Voilà, fin de l'histoire de Niblé. Ouais, la panse, hein, elle est bien pleine. Hein. Donc, c'est un gobelin qui a mangé de la chair de troll, qui s'est régénéré, ce qui a fait qu'il est devenu colossal. Apparemment, j'ai l'impression que là c'est des unités qui vont être spécifiques à Tor Ivresse, je pense. Vu le type d'armure, c'est pas des unités classiques, ça. Je pense que ça sera spécifique uniquement à la faction de Eltarion le Sinistre. Comes to a... It is my duty.
Et voilà, les fameuses idoles de pierre, donc idoles de Gork ou de Mork, hein, vous comme vous préférez. Alors eux, à mon avis, vont être dévastateurs au vu de la masse qu'ils doivent imposer. J'ignore s'ils vont être assez suffisamment grands comme les géants, ce genre de choses. Mais je pense qu'au moins ils seront plus grands que les Minotaures, vu le gabarit, avec un trait de tête d'acier là, les chariots qui arrivent. La chariot. En tout cas, ça fait peur, c'est pas mal. Oh, attendez, mince. J'ai quelque chose. Hop, vous voyez derrière ces unités d'orques là, il y a un troll. C'est pas un troll habituel, je pense que ce sont les trolls de pierre. Donc là, ça voudrait dire que Creative Assembly a fait le pari ou l'idée d'introduire les différents types de trolls. Donc il y a les trolls de pierre, les trolls des marais, les trolls classiques, etc. etc. Est-ce qu'on va en voir d'autres? Ça, c'est la question. Je pense que oui. On a du mage, qu'est-ce que... Ah! Là, on a un autre type de troll. Donc, vu le. Je pense que c'est un troll mage. Peut-être une sorcière troll de. Troll d'eau. Vu la couleur, ça fait un peu gris-bleu. Donc, je pense que je suis plus pour un troll d'eau. Et là, on a un nouveau type de phénix. Il a l'air plus puissant, plus étincelant et plus coloré. Là, il y a un nouveau mage ici qui va apparaître. On dirait un mage qui me lance des sorts de flammes. Voilà. Oh, les chemins qui donnent. Et là on a eu carrément signé sur son dessin dans le Eldorage, ou sur son char bien sûr, pour le face-à-face. Et carrément signé, c'est-à-dire qu'on avance tous vos jeux, mesdames et messieurs. Alors, maintenant, on va penser un petit peu sur ce qu'ils disent pour le patch. Donc, alors, le DLC est prévu pour le 21 mai déjà. Ça, c'est ce qui veut dire dans 2 semaines, voilà. Donc jeudi prochain, le DLC arrive. Il y aura également un free DLC que je présenterai en dernier. Et après, je vais vous montrer un petit peu les unités qu'on a vues dans le trailer, un petit peu par rapport au codex d'armée en figurine. Alors, les nouvelles unités, donc les seigneurs légendaires, Eltharion Sinistre, dirigeant de Tor Ivresse, et Grom la Panse, qui dirige la tribu des Haches Brisées des Peaux Vertes. On a également des nouveaux héros et des nouvelles unités. Donc les Lions Blancs de Shrast, donc les chars que vous avez vus, la Garde Silverine, donc ça va être l'unité spécifique qu'on a vue peut-être tout à l'heure sur les remparts. Et le phénix des arcanes, donc c'était le phénix coloré, donc un phénix magique avec des choses spécifiques. Différents types de chariots à pompe Snotling, différents types de trolls, ça c'est très bien. À mon avis, il va y avoir aussi des unités de renom pour ces nouvelles unités. Je pense pas que CA va laisser ça tel quel. Je pense que au moins chaque unité mentionnée aura une unité de renom. Donc là, évidemment, il sort le 21. Il va y avoir aussi la refonte des peaux vertes parce qu'ils le méritaient un petit peu parce qu'ils étaient un petit peu en dessous. En général, les peaux vertes entre les nains et les skaven, hein, vu que pour moi ce sont les deux des plus puissantes factions à l'heure actuelle, ils ont un petit peu pitié. Hein. Surtout depuis Warhammer 1, les orques qui se sont un peu roulés dessus. Alors, on va voir là. Il va y avoir une mise à jour bien sûr pour les peaux vertes. Alors. Au combat, les unités généreront des points de wa pour remplir une barre. Donc ça va être une espèce de jauge comme je me souviens avec les elfes noirs. Ils remplissaient une jauge pour faire des meurtres. Et ça augmente ça les buffets, ce genre de choses. Ou les rois des tombes pour invoquer les eaux chaptis. Ils perdaient des unités, ça se régénérait. Et derrière les eaux chaptis, vous les invoquiez. Alors, il va falloir choisir une région apparemment pour la wa. Ils ont changé la mécanique. Il va falloir choisir une région spécifique. Il a des soit à Gork, soit à Mork. Et une wa qui transportait, l'armée se soutiendra pour occuper ou rassasier. Après une durée précise, la wa se terminera et les points retomberont en zéro. En fonction du résultat de la wa, les récompenses seront distribuées, y compris un boost wa. Il pourra construire un boost. Vous pouvez construire un boost wa pour à nouveau déclencher votre prochaine wa. Ça, c'est bien. Alors, apparemment, il va y avoir une fonctionnalité pour les peaux vertes de scrap, peut-être du butin. Je pense que c'est le fait que quand on va tuer des ennemis, peut-être récupérer leurs équipements, ce genre de choses, pour essayer d'améliorer ensuite nos unités. Je vois la chose ainsi, personnellement, ça semblerait logique. Chaque unité de peau verte pourra avoir un nouveau panneau, donc elle pourra bénéficier de nombreuses mises à niveau. Alors, la mise à niveau d'unité coûtera une certaine quantité de ferraille, ce qui est logique. Chaque unité de votre armée pourra choisir entre conserver et une amélioration individuelle. Et chaque unité aura plusieurs mises en option différentes. Donc là, c'est pas mal. Ça va pouvoir donner différents côtés stratégiques à nos armées. Et peut-être voir 2 unités qui, par exemple, n'importe quoi, 2 boys orcs de base, avec 2 améliorations différentes pour voir laquelle est plus efficace. Je pense que ça peut être marrant, ça.
Évidemment, ils vont renforcer les peaux vertes parce que voilà, comment dire, c'est un peu compliqué pour eux, hein. Alors, les autres mises à jour des peaux vertes comprendront des nouvelles compétences de personnages, des améliorations de l'unité, la mise à jour de la carte des Badlands, donc je pense que c'est pour Empire Mortel, ça ils vont peut-être réaménager la région, et une nouvelle position de départ pour Azag le Massacreur. Est-ce qu'il va démarrer à Nagashizar? Ça c'est la question. Ça pourrait être logique dans le sens où c'est lui qui détient la couronne de Nagash, la couronne de sorcellerie bien sûr. Alors il va aussi y avoir un free LC qui s'appelle Imrik, c'est le seigneur des dragons ou elfes. Donc ça fait un deuxième seigneur elf, donc ça veut dire que là on est à 6 seigneurs aux elfes et 5 seigneurs orques en tout sur Mortal Empire. Mais ça on verra, je vous parlerai d'Imrik après. On va aller sur les codex pour voir un petit peu les unités et les héros. Donc commençons par les orques et gobelins. Où sont-ils? On va commencer par présenter Monsieur Grom la Panse. Alors Grom la Panse du Montbreu, bon on n'a pas de photo. Alors qu'est-ce qu'il a comme équipement magique? Il aurait la hache de Grom, c'est une hache magique qui aurait un bonus contre les elfes. Peut-être qu'elle donnera des bonus de dégâts des armes contre les OF, ça peut être pas mal comme idée. Bannière de la Baraka, c'est un étendard magique, donc c'est niblé, c'est celui dont je vous parlais, le Snotlick qui a survécu à l'écrasement de Grom. Il est sur son char, il va y avoir aussi de la bouffe au petit-déj. Je crois que j'avais lu quelque chose sur Steam à propos de ça, c'était où? Qu'est-ce que j'avais vu? Alors, où est-ce que c'est ça? Le chaudron de Grom, donc en gros, il va falloir chercher des ingrédients de ce que je viens de lire pour acquérir des pouvoirs spéciaux, des bonus, je ne sais pas ce que ça peut être. Donc certains plats pourront ajouter des unités spéciales armées de Grom, donc peut-être les unités de renom. Cuisiner, déguster un certain nombre de plats permettra à Grom de s'améliorer de façon permanente. Donc des buffs de stats sûrement, ou ce genre de choses. Apparemment, il y a aussi une sorcière troll à trouver pour de la nourriture, ça peut être marrant ça. Donc le vieux Chico, c'est le chariot. Donc, ok, ah, c'est un autre conseiller. D'accord, vieux Chico, c'est un de ces chamans. Ok, donc ça va être un chaman légendaire. Et Niblé aussi. Est-ce que ça va être deux personnages différents? Je ne sais pas. Ça, on verra. Alors, Monsieur Grom, il a sa hache, ouais. Qu'est-ce qu'on avait eu d'autre? Donc là, ils ont mentionné. J'ai mentionné aussi dans l'ordre la sorcière de troll d'eau géante. Apparemment, elle va marcher. Ça va être une troll du domaine de la mort. Ça va être très intéressant de voir un peu le domaine de la mort pour les orques. Ça va peut-être les remonter un peu. Les différentes versions du chariot à pompe Snotling qui vont écraser leurs adversaires, ce genre de choses. Les trolls d'eau qui vont, à mon avis, ils pourront se régénérer, je pense que ce sont des trolls. Et peut-être que c'est eux qui vont vomir un petit peu pour semer la panique dans les rangs adverses ou faire du dégât. Ça dépendra peut-être du dégât au commandement, ce genre de choses. Le troll de pierre qu'on avait vu également est mentionné. Ils ont des quantités de pierres à manger assez énormes et en gros ils ont une bonne résistance à la magie. Ça c'est bien, donc ça va avoir des trolls qui vont être un petit peu plus résistants, donc il faudra peut-être y aller plus au cac que magie, logiquement. L'idole sauvage qu'on a vu qui défonce tout, les trois régiments. De renom pour les orques, donc on va regarder un petit peu ce qu'on avait vu. Donc Grimgor bien sûr, on le connaît. On va remonter plus haut plutôt, désolé. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a vu comme unité qui nous concerne? Donc les gens on les connaît, les chariots pour Snotling, les voilà, ils peuvent transpercer, ils peuvent faire tout ce que vous voulez. Apparemment, ils peuvent aussi lâcher des champignons, ça pourrait être marrant ça, tiens, de donner des malus, des précisions, de commandement. Bon, c'est commandé par ça, des Snotling, donc des petits goblinoïdes, ça a l'air d'être des goblinoïdes de ce que je vois, mais encore plus vicieux, plus petits. Une belle saloperie en masse. Et c'est aussi les esclaves des ogres, hein, d'ailleurs. Ou leur bouffe, quand ils ont faim. Donc je serais pas étonné qu'on voit les Snotlings avec les orques. Les ogres, pardon. Donc les différents types de trolls, bien sûr. J'ai un petit regret dans le DLC, c'est qu'on n'ait pas les Squeakbroyeurs, parce que je pense que ça aurait pu être marrant d'en avoir, mais après, c'est mon avis personnel. Fanatique Gobelin, on connaît. L'Arachnarok, on connaît. Les catapultes, les balistes. Les gobelins. Je crois que c'est tout pour les unités orques. Ouais, il n'y a plus pour les orques, c'est bouclé. On va passer pour le côté elfe. Donc, je vous présente Monsieur Eltharion le Sinistre, le gardien de Tor Ivresse, qui est devenu gardien après avoir repoussé une première fois Grom la Panse et sa wag. Donc, ils se connaissent bien les deux. Leur affrontement va être légendaire. Et je pense qu'à mon avis, Grom la Panse voudra bien prendre sa revanche sur lui et Eltharion l'achever définitivement.
Eltharion sera monté sur son griffon personnel nommé Eldorage. Hop, voilà. Admirez la bête. Et apparemment, Eltharion, je crois que c'est un mage, non? De ce que j'avais cru comprendre. C'est un sorcier utilisant les 8 domaines de magie. Donc, c'est de la haute. Je pense qu'il sera du domaine de la haute magie, de ce que je comprends. Ou alors, c'est une autre magie qu'ils ont introduit. Il manie une lance et une épée dans chaque main, punaise. Le mec, il est badass. Hein. Il a son épée croc d'acier qui fait très mal, plus 2 en force dans le jeu de plateau. Donc, je pense qu'elle va donner des bonus de puissance de dégâts, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a encore? Il a un home spécial, il a son talisman de OF qui lui confère une résistance magique, ça va peut-être booster sa magie, sa défense à la magie, ce qui lui serait logique. Il a la haine des orques et gobelins, donc ça peut lui donner aussi des bonus de puissance des armes encore personnellement contre les orques et les gobelins, les peaux vertes. Ça pourrait être pas mal. Alors concernant les unités, qu'est-ce qu'on avait vu? Donc faut que je remonte, je vais pas faire la même erreur. Donc le phénix, donc. Là, j'ai pas d'illustration à part celle du trailer, pardon. Donc là, on a les phénix de feu, les phénix de glace, évidemment. À moins que ça soit mentionné, que je l'ai pas vu. Non, c'est pas mentionné. Donc, ce sont des phénix spéciaux qui doivent avoir des résistances à la magie, ce genre de choses. Les griffons et grands aigles, oui. Donc ça, on connaît. Les disciples d'Azurienne, c'est l'Albardie. Ça, on connaît aussi. Les guerriers fantômes, les fils de Calédor. Ça pourrait être des unités spécifiques pour plus tard, je vais regarder. Chasseurs de chats sont les hommes. Les chevaliers du Tluon, pourquoi pas. C'est peut-être les des cavaliers spécifiques à Eltharion, je vais y arriver. Les gardiens de Saferi, on les connaît. Et après, c'est du lancier de base. Après, ce qui est dommage, ils ne mentionnent pas les unités de base. C'est un peu malheureux. Mais bon. Donc là, je pense que ce sont des unités spécifiques à Tor Ivresse qui vont nous aider à nous défendre pendant le Vortex. Après, pour Mortal Empire, je ne sais pas si vous les intégrez. Logiquement, oui. Mais après, je pense que ce sera bien spécifique pour les conditions d'accès. On va regarder un petit peu la mécanique de DOF parce que je ne les ai pas mentionnées. Tiens, ça, c'est pas bien. Alors, les hauts elfes, apparemment, ils en auront plusieurs. Ils auront la construction des Chantinelles Silencieuses pour la faction d'Eltharion, qui va augmenter le niveau de défense de Tor Ivresse et permettre le recrutement et l'amélioration des unités d'élite, appelées les Arpenteurs de Brume, tout en augmentant la capacité de recrutement de plusieurs types d'unités uniques pour Eltharion. Ça peut être pas mal. Donc à mon avis, Eltharion va avoir ses propres tours propres à Tor Ivresse, et ensuite il pourra les utiliser pour son armée personnelle. Est-ce que ce sera le seul seigneur de la faction à l'avoir, ou toute la faction? Là, ça reste à voir, bien sûr. Les Veilleurs d'Ivresse permettent d'interroger les héros et seigneurs capturés, donc on pourra faire des interrogatoires, apparemment. Oh, ça peut être marrant, ça, mais je me demande comment ils vont intégrer ça. Les veilleurs d'ivresse permettent d'interroger les héros et seigneurs ennemis capturés, améliorer la brume d'ivresse et d'octroyer des bonus d'influence avec talent. Donc l'influence pour améliorer les relations de faction, recruter des héros très forts qui n'ont pas des mauvais traits, par exemple. Et grâce aux victoires, aux interrogatoires et à l'endoctrinement des prisonniers, et le talent peut obtenir des informations utiles et d'autres avantages. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent appeler information utile? Peut-être sur la faction concernée. Par exemple, l'héros est capturé, je dis n'importe quoi, c'est un fun seigneur de la faction de groupe. Est-ce qu'ils vont obtenir des informations sur les positions, les villes, révéler la carte, ce genre de choses, je sais pas. Et d'autres avantages, donc ça pourrait être lié à quoi? Par rapport à la cour de Lothair, les intrigues, l'influence. Là, c'est un petit peu, c'est pas très clair, je trouve, sur ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui mentionne? Alors là, j'avais vu quelque chose. Eltharion améliorera la puissance défensive de Tor Ivresse à mesure que sa terre natale devient de plus en plus farcie contre les invasions. Oui. Alors, Tor Ivresse va être endommagé suite à la première invasion de Groom qui s'est ratée, quoi, mais qui aura fait du dégât quand même. Ça, c'est bien. Donc, ça va mettre un petit peu la ville dans une situation délicate dès le départ. Donc, ça a donné du challenge à cette faction elfique. La seule faction elfique où il y a aussi du challenge à l'heure actuelle, c'est celle d'Alitanar, le roi fantôme. Donc là, je pense que ça va rééquilibrer un petit peu, ça va redonner aussi un nouveau souffle aux elfes pour la variété et le challenge. Alors, on a aussi un autre héros, l'archimage. Donc, ils connaissent quoi? Ils connaissent 8 principaux vents de magie, de la haute magie, d'accord. On aura aussi les rangers, la garde argentée, les lions blancs de Shras que je vous ai présentés. Donc, on a les chars et bien les lions indépendants, c'est ce qui me semblait. Une unité unique à la campagne, donc. Apparemment, ce serait uni. Alors, je ne sais pas si ils disent à la campagne, c'est Empire Mortel ou le Vortex, ou ce sont les deux. Bon. Le Vortex, c'est sûr, mais est-ce que Mortal Empire avec 3 petits points de suspension?
Donc on a plusieurs unités, à savoir les Faucons Célestes, les Sentinelles d'Astaril, les Gardes du Pnilnac de Tor Ivresse, les Héros de la Foi d'Atel Tamara et les Chevaliers de Torgal. Donc ça, à mon avis, ces unités-là vont être uniques pour le Vortexon. Donc il sera peut-être plus intéressant de jouer Eltharion de Sinistre en Vortex qu'en Mortel, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Et je crois que c'est tout de ce côté-là. Et la fameuse brume là qui mentionne, est-ce qu'il y a une mécanique spécifique que j'aurais ratée? Non. Non. Alors on va parler du nouveau Free LC qui est annoncé. Donc moi j'attendais un petit peu de voir ce que ça donnait. Alors apparemment c'est le héros Imerik, donc c'est le seigneur des dragons. Gon, donc un nouveau héros, ouais, donc on va monter à 6 avec Tyrion, Teclis, Alitanar, Alariel, Eltharion et lui-même. Donc on est déjà 6 seigneurs. 6 seigneurs. Je suis un peu déçu personnellement, mais bon. Après, est-ce qu'ils avaient besoin d'un nouveau héros? Je sais pas, mais après, c'est les choix de CA, je respecte. Alors, Aemric, lui, ce serait l'un des descendants du roi Phénix Kalédor. Ah, attendez, qu'est-ce que je raconte moi? Kalédor, c'est un mage, je vais le dire une bêtise. Hein. Kalédor, c'est un mage aussi, et c'est aussi une province. Alors, est-ce qu'ils vont me permettre à Kalédor d'être jouable avec Lothern ou est-ce qu'ils vont l'intégrer comme nouvelle faction avec Kalédor? Ça, c'est la question avec les princes dragons et tout ça. Je pense qu'il y aura des bonus pour les recrutements dans le dragon, les coûts d'entretien, ce genre de choses. Donc, le haut prince de Kalédor, donc je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Kalédor serait jouable, hein, je précise, en Empire mortel et en campagne du Vortex. Donc, on va voir ce que ça peut donner. Je pense qu'il n'y aura pas trop de choses spécifiques pour lui. Je pense que ça va être la course au Vortex avec les rituels aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah non, j'ai rien dit, le roi Phénix Kalédor, il descend, il est le dernier descendant de la lignée de Kalédor. Bon bah très bien. Tout va bien. Donc je pense qu'il aura des bonus ouais, pour les dragons, comme je disais. Alors qu'est-ce qu'il en. Alors, frère des dragons, c'est un trait spécial. Depuis des millénaires, Imric a appris la science et le langage des dragons. Il a pénétré dans les grottes où dorment les plus grands, et même les plus fiers, les plus puissants, obéissent à ses parents. En gros, c'est un. Ça me fait penser un peu au Dovahkiin dans Skyrim, quoi. L'enfant de dragon qui peut murmurer à l'oreille des dragons, genre de choses. Ça me fait penser un petit peu à ça, sans être grossier. Il possède les objets magiques suivants, à savoir la lance des étoiles, donc une lance très forte, peut-être une lance perce-armure, ce genre de choses qui va faire très très mal. Le corps du dragon, c'est une corne de guerre. Ok. Il a enchanté une de ses cornes avec ses accords. Enchanté par le souffle du dragon, le corps ravit la ferveur. Donc, je pense que ça va booster le commandement, de ce que je comprends, personnellement. Et enfin, il porte l'armure de Kalédor, qui porte cette armure au combat depuis plus de 4000 ans. Cette armure d'Ithimar, d'une incroyable beauté, légère et flexible, est plus résistante que n'importe quel acier. Oh, bah ça promet tout ça. Là, vos elfes vont prendre un bon coup de boost dans la figure, là, avec ces deux héros, Eltharion plus Imric. Ça va faire mal. En tout cas, je pense pas que je vais faire de let's play dessus. Je testerai peut-être le DLC de mon côté. Je vais voir. Mais je pense pas faire une campagne dessus. Je m'attendais pas à ça en free LC. Même si les hauts elfes là, ils vont être un petit peu encore mieux armés. Donc là, on passera à 6 contre 5 seigneurs. Attends. 5 seigneurs elfes noirs. Combien on en a? On a Malekith. On a Morati. À la. Comment ça s'appelait? Elebrun. Malus Darkblade, est-ce qu'il y en avait un cinquième? J'ai un gros doute là-dessus. Je crois qu'il y en avait quatre. Hein. Ah non, cinq. Comment il s'appelle? Lokir Cœur de Pierre. Donc là, ça rééquilibre un peu. Donc les OZF se reprennent un avantage. Est-ce que ça voudrait dire que le prochain FLC, ça pourrait être un seigneur elfe noir, Skaven ou je ne sais quoi? Wait and see. Moi, personnellement, vu qu'il y avait le désert dans le trailer, je me serais attendu peut-être à une roi des tombes ou à une mort-vivante comme Neferata, ce genre de choses. Mais bon, c'est pas plus mal non plus. Donc voilà, félicitations à CA pour ça. Et j'espère que les gens, vous allez vous amuser. Voilà, j'ai terminé ce que j'avais à dire pour la présentation de ce DLC. J'espère que ce n'était pas trop brouillon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre les actualités, tout ça, les séries. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Et aussi la chaîne Twitch, hein, quand je stream essentiellement le week-end. Voilà. Je vous remercie de votre attention, les amis. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.